bonjour. Vous êtes en direct d'Info 233. Enfin, le jour le plus attendu. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 21. Mercredi 21 2020. Journée aux acquis attendue par tout le Congolais et Béli. Apparemment, Alors, en direct, il y a Assemblée nationale. Vous voyez, le député et sénateur arrive déjà. Donc, Baza déjà Libosokuna. Dans pas longtemps, le président de la République sera là. Messieurs et dames, nous allons réaliser quelques interviews ici, en direct de l'Assemblée nationale. Partagez. Il a dit quoi ? Vous qui n'êtes pas encore abonné à Info 243, désormais, vous l'avez sur Awa. Awa, vous avez sur Info 243. Donc, Raphaël doit nous compter exclusivement sur Info 243, votre site d'actualité. Abonnez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes avec le conseiller du président de la République, monsieur Eddy, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller du président de la République et à côté, vous êtes accompagné d'un autre conseiller. Le conseiller en commerce international. Commerce international du président de la République. Aujourd'hui, cette activité, pourquoi est-ce que cette activité attire beaucoup plus d'attention? On dirait que c'était la première nomination du président de la République. Je commence avec le conseiller Eddy. Oui, c'est comme si c'était la première nomination du chef de l'État, mais en fait, c'est une nomination qui confirme son autorité. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'ils ont la majorité et que cette majorité peut bloquer le chef de l'État dans ses attributions. Mais là, on se rend compte que le chef de l'État a toutes ses attributions. Ce n'est pas un pantin qu'il pensait, ce n'est pas quelqu'un d'inexpérimenté qu'il connaissait. Il montre maintenant qu'il est un spécialiste de la haute politique. Et il apprend la politique à ceux qui ont fait plus de 18 ans ou 20 ans en croyant qu'ils sont les spécialistes de ce pays. Alors, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État dans ses attributions et démontrer que c'est le seul qui est aux commandes de ce pays et c'est le seul qui est le garant de la bonne marche des institutions. Alors, monsieur le conseiller en commerce international, monsieur le conseiller, aujourd'hui, cette activité, quel est l'apport de cette activité, ces serments, en fait, la prestation de serment de ces juges dans l'ordre de l'état des droits? Oui, je voulais répondre juste à ce qu'a dit mon collègue, c'est que pour ceux qui ont cru que le président Félix était quelqu'un qu'on avait placé pour leur servir, aujourd'hui ils vont se rendre compte que ce qu'il disait n'était pas vrai. Aujourd'hui, le président Félix est celui qui vient cimenter la démocratie en RDC. C'est pour dire que si hier, il y a eu des gens qui pensaient que non, la justice était l'apanage de ceux qui ont des moyens ou bien de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, le président Félix est en train de remettre des choses sur les rails. C'est pourquoi vous allez voir, en respectant les textes, il laisse tout le monde jouer son rôle. Chaque institution joue son rôle. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nos amis du FCC, ils ont cru que lorsqu'ils vont empêcher certains juges de pouvoir prêter serment, ça signifie que le président Félix allait revenir dans sa décision. Mais ça appartient au passé. Aujourd'hui, là, le train a déjà décollé, nous sommes en train de partir et toutes les institutions se mettent déjà en place. Chacun va jouer son rôle. Donc la démocratie vient maintenant de prendre son envol en RDC. Quel est l'avenir du CASH, FCC CASH aujourd'hui? Parce que votre partenaire ne sera pas aujourd'hui dans cette grande activité, la prestation du serment. Est-ce qu'il y aura des impacts négatifs dans cette coalition, FCC CASH? Donc, la coalition CASH, FCC ne signifie pas cautionner la démocratie. Aujourd'hui, là, s'il y a des amis qui pensent que non, cette cérémonie ne leur intéresse pas, ils sont libres. Mais de toutes les façons, la coalition va continuer à fonctionner. Petit à petit, nous sommes en train de fonctionner jusqu'à ce que l'oiseau fera son.
Alors, nous continuons, mesdames et messieurs. Monsieur Emile, vous êtes conseiller en matière affaires culturelles. Culture, et questions religieuses. Voilà. Monsieur le conseiller, aujourd'hui, quelle est votre impression? Est-ce qu'il y a d'abord, en entrant ici, les élus du peuple, les sénateurs, est-ce qu'ils ont répondu à cette invitation? Est-ce qu'il y a une atmosphère ou une lueur, déjà, vous voyez, en rapport à l'échelle de 500 députés? J'ai entendu quelqu'un qui disait qu'aujourd'hui, nous avons plus besoin du palais du peuple que des individus qui veulent contrecarrer. Nous avons plus besoin du peuple. Alors, ceux qui vont s'absenter. Mais il y a une autre personne qui m'a dit qu'aujourd'hui, le FCC risque de recevoir un hypercute. Alors, recevoir un hypercute sur les rings, on voit ce que ça fait et on connaît les effets. Donc, l'avenir du FCC cache pour revenir à votre question dépend du comportement que le FCC va afficher. Nous, les CASH, nous sommes en place, nous sommes au pouvoir, nous sommes en train de conduire le pays selon la volonté du peuple d'abord. Nous ne sommes pas soumis aux individus d'abord, mais c'est au peuple d'abord. Alors, les intérêts du peuple sont en jeu, le chef de l'État est là pour les garantir. Nous avons plus besoin du palais du peuple, nous n'avons pas besoin des individus qui vont se faire un spectacle en pensant que s'ils ne sont pas là, la machine ne va pas démarrer. Alors, mesdames et messieurs, nous allons laisser 2 minutes, nous allons vous laisser vivre un peu. L'arrivée de quelques diplomates, mais également le sénateur, vous êtes député. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Info 243. Donc cliquez juste à côté là, abonnez-vous, parce que vous allez suivre cet événement en direct. Nous sommes ici. Ce n'est pas une retransmission à travers la télévision, mais c'est en direct, mesdames et messieurs. Monsieur Isaac Mouillot, chef personnel politique du chef de l'État. Aujourd'hui, quel est l'impact de cette activité? Oui, l'impact de c'est d'abord la victoire de la population de la justice. L'indépendance de la justice, c'est ce que nous allons vouloir voir aujourd'hui. Les trois juges de la Cour constitutionnelle ont prêté et bien récemment, vous avez vu l'ambiance qui se passe dans la salle de la grève du palais du peuple, c'est-à-dire que nous sommes tous dans la joie et aujourd'hui il y aura de l'argent. Merci. Juste quelques minutes, l'événement va devoir commencer. À titre de rappel, mesdames, déjà d'information plutôt, mesdames et messieurs, le programme se présente de la manière suivante. 7 heures juste, mise en place terminée dans la salle. 8h, de 8h à 8h30, l'arrivée des invités. 8h40, arrivée des membres des cours et tribunaux. Bourgmestre de la commune de Lingwala, commissaire provincial de la police nationale de Kinshasa, commandant 14e région militaire. À 9h juste, arrivée de membres du cabinet du chef de l'État, inspecteurs généraux de la police nationale et des FARDC, commissaire général de la police nationale, chef d'état-major général de la FARDC, gouverneur de la ville province de Kinshasa. À 9h30, arrivée du directeur du cabinet du chef de l'État, membre du corps diplomatique, arrivée du membre du gouvernement central, arrivée des honorables députés et sénateurs, président des institutions d'appui à la démocratie. À 10h juste, c'est l'arrivée du président, ce serait l'arrivée du président du CNSA,
président du Conseil économique et social, arrivé de membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, et le Premier ministre, à 10h30, arrivé. Est-ce que c'est une question qu'on se pose, hein, parce que c'est prévu ici. Est-ce qu'ils seront là? C'est une question qu'on se pose. Donc à 10h30, c'est l'arrivée des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. À 10h45, l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Accueil par le comité restreint, honneur militaire, salutations des honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Est-ce que ça aura lieu? C'est la question qu'on se pose également. Séance photo, entrée du chef de l'État dans la salle des congrès. 11h juste. Début de la cérémonie, hymne national. Lecture de l'ordonnance par la conseillère principale du chef de l'État au collège juridique et administratif. Je peux vous déranger un peu? Prestation de serment. Là, je vous en prie, conseillère. Hymne national, fin de la cérémonie. Donc à 11h, c'est la fin de la cérémonie. Mesdames et messieurs, Abonnez-vous. Vous qui nous suivez, vous êtes sur Info243. Vous allez vivre en direct cet événement. Emmanuel, bonjour. Ça va? Le président du Congo. Congo, le Congo. Notre Congo. Oui. Côté, ce sont des honorables députés et sénateurs, donc Bazoya déjà. Déjà, on essaye de compter. On essaye de compter. Ils sont déjà au nombre de combien? Tout mais vous comptez mon pied. Des députés et sénateurs au Bakomi déjà, tout mais vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Attends, on va bouger un peu, on va bouger. Ça dérange? Attends. Non. Non, c'est un problème, monsieur. On va te gêner. Merci, mon frère. Bonjour. Monsieur Bazin. Oui, très bien. Vous allez bien? En forme? Ça se passe bien, sinon? Ça va, je sais pas comment vous êtes, mais là. Maître Bazin Pim. Merci. Nous allons laisser vivre cet événement en exclusivité. Bonjour. La belle créature. Bonjour, son Excellence. Comment tu vas? Oui, très bien. Bonjour. Ça va très bien. Je suis en direct, bonjour. Bonjour. Monsieur Noël Tiani. Comment...
Bonjour. Ça va, il y a les membres du gouvernement. Monsieur Noël Tiani, qu'est-ce qui justifie votre présence aujourd'hui d'avoir à cet événement en fait? C'est des événements qui attirent beaucoup de polémiques également. Tout à fait clair, nous sommes ici pour soutenir la démocratie, l'état de droit, la stabilité des institutions et surtout dire non au désordre, à l'anarchie. L'installation des juges de la Cour constitutionnelle, c'est un événement important dans la vie de l'Union nationale. Et nous ne pouvons pas nous dire en étant démocrates et ne pas être ici pour nous manifester notre attachement à ces valeurs démocratiques que nous avons tous voulu voir donc à l'œuvre. C'est ça qui justifie la présence. Mais pour certains, pour une frange de politiciens, ils pensent que c'est inconstitutionnel cette nomination. C'est tout à fait constitutionnel. Ceux qui disent que c'est inconstitutionnel ne connaissent pas la Constitution. Il faut qu'ils aillent lire les A, B, C de la Constitution. Ils vont comprendre que ce qui s'est passé est tout à fait normal. Merci, monsieur Noël. Il y a plusieurs personnalités politiques. Et d'ailleurs, il y a la présence des autorités coutumières. Oui, bien sûr. Bon. Ça va? Ça va très bien, merci. Je vous laisse vivre, en fait, cet événement. Jenny Kandé, bonjour. Je suis en direct. Vous allez bien? Ok, très bien. Enfin, aujourd'hui, le 21. Le 21. On est là, on avait dit que la cérémonie aura bel et bien lieu. Mm. Ceux qui ne viendront pas, ils vont constater à la maison. Okay. Ils vont regarder à la télé. Et d'ailleurs, c'est en direct. Hein. Aura bel et bien lieu. Et c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une représentation de représentants du peuple? Les députés sont là, vous pouvez voir. Et ils continuent à venir. La salle sera pleine. J'avais dit hier sur Kiosque que j'ai fait un rêve. J'ai vu la salle pleine à craquer. J'ai vu les alentours du palais du peuple bondé de monde. Et on va voir ce rêve-là aujourd'hui. Merci, monsieur Dinkandesa. Tshisekediste. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur Info 243. Vous allez vivre en direct cet événement. Hein, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est bon, raison, il y a Raphaël en direct. C'est ici que ça se passe. Tout se passe maintenant. Le juge qui sont là. Député national. Bonjour honorable. Je suis en direct honorable, bonjour. Ah, salut, ça va? Ça va bien. Votre présence aujourd'hui, c'est un apport également pour la démocratie ou soit pour vous, pour certains qui disent qu'il y a une violation constitutionnelle. Moi je suis là, je suis là. Un élu, un représentant du peuple. Honorable Henriette Ouamou, plusieurs fois élu, dans la... trois fois. Waouh, vous avez vraiment... Alors, nous continuons. Frédéric Kabassélé, bonjour. Le personnel politique du président de la République. Votre présence aujourd'hui, appui à la démocratie ou à l'inconstitutionnalité? À la démocratie, parce que c'est le peuple qui décide. Voilà. C'est ça. Merci. Le pouvoir revient au peuple, mon frère. Merci. Mesdames et messieurs, abonnez-vous sur Info 243. Désormais, me suivre ici. Vraiment, c'est l'endroit où vous avez. Abonnez-vous juste là à côté. Honorable Pité, bonjour. Bonjour. Honorable, vous êtes élu de... Je suis élu de Nganajika. Nganajika. Ok. Pour quel groupe politique? Nous sommes venus assister à la prestation de seulement de nos trois juges, nommés récemment par les journaux. Ok. Et aujourd'hui, certains pensent que c'est inconstitutionnel. Vous êtes un élu du peuple, législateur également.
qu'est-ce que ces discours vous disent? Non, c'est un discours tout simplement populiste parce que les actes pris par les chefs de l'État, premièrement les ordonnances du chef de l'État sont des actes administratifs. S'il y a certains qui contestent ça, il y a une cour institution pour ça, le Conseil d'État. Ils ne sont pas partis par cette cour. Je ne trouve pas l'opportunité de dire aujourd'hui que les actes pris par les chefs de l'État sont inconstitutionnels. Je crois que nos amis du FCC, ils ont déposé les requêtes en interprétation de l'article 158. C'est une chose valable en démocratie. Mais est-ce que là faudrait-il attendre que ça va bloquer la prestation du serment de nos trois juges? Non. Donc, les ordonnances du chef de l'État, comme l'a dit le président de la Cour constitutionnelle, n'ont à rien violé la Constitution. Tout simplement, ce sont des supputations, ce sont des mouvements spontanés d'un serpent dont la tête a été déjà coupée, donc la queue fait peur aux gens qui croient que la queue fait mort. Merci, Honora. Merci. Honora, je vais vous appeler pour une émission. Prends mon numéro là. Enfin les 21. Donc aujourd'hui, il y a les députés du peuple. Et les restes, ceux qui ne seront pas là? Non, mais ceux qui sont là sont les représentants du peuple. Vous voyez, vous-même, la salle est nommée. Nous ne pouvons pas distinguer qu'il y a des députés du ECC, des députés du CAS. Non, non. Un député, c'est une élu du peuple. Et vous le voyez, ils sont là. D'accord. Ils sont venus représenter le peuple. Merci. Merci. On aurait voulu. De l'autre côté, vous voyez. Yeah.
Mesdames et messieurs, abonnez-vous. C'est le seul endroit où vous allez devoir nous suivre. Hein. Bonjour, honorable. Honorable, je peux venir pour une interview. Vice-président provincial de la ville province de Kinshasa, de l'Assemblée provinciale plutôt de Kinshasa. Votre présence aujourd'hui représente d'abord quoi personnellement pour cette grande manifestation? En dépit d'être représentant en fait, ça représente quoi en termes de démocratie et surtout de l'état des droits? Nous sommes venus assister à la prestation de serment des trois juges. Merci, mesdames et messieurs, je vous laisse suivre. À côté. Monsieur le Président, je peux organiser une émission avec vous sur un numéro. Je suis sur Internet, sur Internet, on peut également se produire à Télévision. On a réalisé un truc avec vous à l'époque. Bon, en fait, je plus, j'ai perdu de. J'ai quand même le téléphone. Je prends. Ou carrément, je. Pardon ? Ok, attends, une minute. Ok, à la fin, je risque de rater. Vous êtes le plus aimé de tous les combattants. On va vous ramasser, je ne sais pas comment. Je comprends une minute, excellence. Oui. Le ministre de la Défense nationale, Monsieur Sylvain Mouton, bonjour. Bonjour. D'abord, en tant que combattant de l'état des droits, cette activité représente quoi personnellement, Konayo? Cette activité montre la procession totale du combat de la justice par le peuple et qui consacre aussi l'indépendance totale de la justice. Et aujourd'hui, nous consacrons effectivement un état de droit qui sera de sorte que la nation puisse élever. Contrairement à ceux qui ont dirigé ce pays pendant 18 ans, qui avaient caporalisé les magistrats, qui avaient caporalisé l'appareil judiciaire, aujourd'hui le président de la République est en train de démontrer la face du monde que la justice doit avoir son indépendance. Contrairement à l'interprétation biaisée de l'article 10, aujourd'hui le président de la République recevra le serment. Vous êtes parmi des avocats habiles également, vous êtes maître avocat. Est-ce qu'il y a violation de la Constitution, même sur le plan intentionnel? Dans la tête de ceux qui étaient habitués à violer la Constitution pendant près de 18 ans, depuis 1917, notre Constitution était violée matin, midi, soir. Aujourd'hui, nous sommes en train de rétablir l'ordre dans notre pays. L'ordre ne peut commencer que par la justice. Il y a beaucoup de cas de jurisprudence où ils avaient posé le même acte que le président de la République aujourd'hui.
match avec la même constitution qui était revêtue dans la peau de Kabila pour rien le faire maintenir longuement au pouvoir. Mais aujourd'hui, celui qui s'est dit use de même prérogative constitutionnelle, lui reconnu par la même constitution qui a été votée au référendum depuis 2006. Nous n'avons pas changé de texte constitutionnel. C'est le même pouvoir, c'est le même texte, la même disposition constitutionnelle qui fait des tiennes Tshisekedi, qui fait Tshisekedi aujourd'hui, garant de bon fonctionnement des institutions, habilité à recevoir le serment des magistrats de la Cour constitutionnelle. Ok, je rappelle que vous êtes le ministre de la Défense nationale. Merci, monsieur Sylvain. Excellence, bonjour. Je peux vous, je peux une petite interview. Je reviens vers vous alors. Je vais. Mesdames et messieurs, je vous laisse vivre ces moments. Et à une représentation vraiment nationale. C'est la représentation. Président Gabriel Monca, bonjour. Votre présence aujourd'hui en tant que combattant et allemand de l'état des droits, de la démocratie, ça représente quoi en fait cette grande activité? La prestation du serment des trois juges. Il y a un chef de l'État, il va prendre ses serments. Et il y a un peuple qui est derrière ce chef de l'État, y compris moi-même. Le reste, c'est là, ça ne nous regarde pas. Président Gabriel Monca, en tant que combattant de la démocratie, pour certains qui pensent que le président de la République a violé la Constitution, quelle est votre réponse? Quel article est violé? Celui qui nomme le pouvoir lui conféré par la même Constitution, celui qui peut changer les magistrats. Vous savez, les magistrats de siège sont mobiles, mais sauf une nouvelle nomination. Mais ils ont obtenu la nouvelle nomination. Donc, on nomme quelqu'un. Vous devez rester avec cette nomination à la maison. Ou bien quand on vous nomme, vous devez être affecté, vous devez prêter serment. Si les tenants de l'appareil législatif ne viennent pas, mais les adjoints sont là, ils vont combler le vide, ils vont rappeler la mission. Le chef de l'État, pendant 30 minutes, il va prendre acte des prestations de serment de magistrats du pays et l'affaire est réglée. Nous retournons et ils vont maintenant commencer le travail. Vous qui avez refusé d'y assister, mais attendez votre tour. Okay. Attendez votre tour. Les gens croient que Félix est seul, mais nous, nous sommes là. Okay. Reconnu pour votre franc-parler, aujourd'hui, personnellement, quel est votre message, en fait, adressé à la population, à tous ceux qui vous suivent à cette époque? La population a un grand problème. Le peuple, ça dit que le pouvoir à place de Félix a un grand problème aussi. Celui de mettre hors de notre territoire les Banyamulenge et tous les Rwandais et Kagame. Et Berwa et je ne sais quoi, les Munyakazi et Moïse. C'est ça notre problème. Mais s'ils veulent venir investir, il y a les codes d'investissement là-bas, ils peuvent aller rapidement de commerce. Et non prendre la nationalité congolaise de force, par une arme à la main, on dirait que nous ne sommes pas là, c'est pourquoi nous avons dit chef de l'État, vous faites la politique. Merci. Mais le reste, laissez le peuple doit s'en occuper de ces gens qui ont enterré les femmes vivantes dans notre pays, à Mouenga, qui était un éleveur de bétail. Aujourd'hui, il tourne sur les métaux de Londres, de New York, bourse de New York, alors qu'il ne dispose pas de métaux. Alors, cela doit interpeller les Congolais et Congolais. Ils sont tentés de dormir, ils sont là que pour chercher l'argent, ils sont là que pour ceci. Non! On cherche l'argent dans un pays. Mais nous voulons maintenant Minembwe, une république, être dans une république, nous avons dit non. Je te parle de la république, donne-moi la défense et la sécurité, je vais aller mettre 100 000 Congolais et Congolais à Minembwe. Nous allons construire des cas, on va créer une banque pour donner des crédits. Pour commencer le travail, la production. Tous ces Rwandais vont quitter chez nous, les mêmes. Qu'ils soient chassés, n'est-ce pas? La question sera évoquée aujourd'hui également. Bon, Azaria, son père, j'appelle de ses députés.
J'ai tout dit. Donc j'ai peur de ces députés. Roubaix Roy doit être arrêté pour celui chassé du gouvernement et puis arrêté parce que d'abord il avait enterré 25 femmes vivantes. Tu te rends compte de ta misère avec. Ah non. Celle de Mokozamboka, donnez-moi aussi une parcelle de l'hôpital. Mesdames et messieurs, Batoubo, l'Andabiso de partout. Abonnez Info 243, vous abonnez juste là. Bonjour, la France. Je vais très bien. Oui, je suis en direct, vous prends pour une minute. Non, non. Bonjour. Excellence, après je peux vous prendre une interview. Ça va, mais il faut faire vite. Hein. D'accord. Mais je suis en direct également. Je... Voilà. Bonjour. Monsieur Lobo, vous êtes coordinateur de l'activité chef de l'État. Votre présence aujourd'hui, il y a beaucoup de polémiques autour de cette activité. Et je rappelle que ce n'est pas une première nomination du président de la République. Personnellement, pourquoi cette activité attire beaucoup de foudre et de polémiques? La population est dans la joie. La polémique est plutôt dans la tête de ceux qui ont peur de l'état de droit. Alors tout à l'heure, ce serait une interview exclusive. Je reviens avec l'équipe pour une interview. Mesdames et messieurs, général, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça allait bien. Général, une minute. Le secrétaire général... Non, je vais me prononcer après la manifestation. Après la manifestation. Il fallait immortaliser l'événement. Commentaire. Ok. Vous pouvez arracher une interview, mais j'ai dit après la manifestation. Alors, je vous prends après. Oui. Le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabuya. Bonjour. Bien. Bonne nuit. Alors... Prenez place, prenez place. L'activité va devoir commencer. Nous sommes obligés de se mettre, choisir un coin. Est-ce que les Congolais, est-ce que toutes les personnes pour l'Andabiso vont s'abonner aussi? Abonnez-vous sur Info 243, juste à combattant. Jamais, on peut y avoir quoi? Jamais. Vos abas. Donc abonnez-vous. La première partie, je crois, on l'a fait. J'ai partagé, partagé. On a fait les. Abonnez-vous. Je reviens tout à l'heure. Hein. Je reviens tout à l'heure. Le deuxième direct. Il y a des procédures. Il y a la deuxième partie. Là, on peut dire qu'on a quelques autorités qui arrivent déjà. Vous voyez. La fille à gauche, à droite, derrière. Il y a peur de la salle. Non, il faut que je fasse.